Comment ça va? Mon petit Thibaut, emmenez-moi au menu, mon petit Thibaut. C'est nain. Là, j'avoue, c'est celle-là. Ah bah putain, il y a toutes les phaseurs. Ouais, j'aime tellement cette moto. Alors, c'est bon, t'as récupéré mon sac ? L'IGR est énorme. Hop, 20. Faut qu'on se barre avec. Mais pas qu'on se barre avec. Et on sait jamais, hein. Filme-moi en train de galérer. Je peux pas zoomer avec ça. Ok. Ça va. Oh, t'es pas sérieux là. Quoi? Non mais attends. Là tu comprends pas ta connerie. Hein. Genre tu crois que ça va pas glisser là? Mais ça va glisser, on s'en branle. Y'a rien du tout, c'est ça là-bas, ici. Oh là là. Oh là là, voilà. Putain, l'enfer du mec. Ça va mec? Non, ça va pas. Franchement, ça va pas du tout. Dedans là. Allez. Oui, avec la directive, évident.
Ça va finir dans une flaque toute cette histoire. Mais j'ai rien fait moi. On va la mettre là. Oh putain, il s'est garé de manière. Bah mets-la là en attendant. Enfer ce type. Ferme-la. J'avoue, on est en plein milieu. Bon, alors, pour ceux qui savent pas, je me suis fait voler ma MT-09 à Paris. Du coup, il a fallu changer de moto. L'assurance, ça prend toujours un peu de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Donc, c'est une Phaser qui est en RSV. Donc, on pourra pas l'immatriculer. Et en fait, le but, c'est de reprendre toutes les pièces pour les monter sur le châssis que j'ai là, qui était le châssis de ma 09. Enfin, le châssis de ma Phaser 09. Donc il y a pas mal de pièces abîmées, mais bon, c'est relativement... Voilà, le guidon, il est un peu tordu. En gros, je pense qu'elle a eu un choc avant gauche. Donc il y a le guidon à changer, la fourche a l'air cool. Il y a un peu de rayures, mais bon, moi, j'en ai un peu rien à faire. Les rayures sur le moteur. Au réservoir, bah, je sais pas s'il faudra le refaire ou pas. Et ça, le carénage, ça va sauter. Donc c'est pas très grave. Mais sinon, les, ouais, toutes les commandes et tout, tout est bien. Donc le reste, moi, je m'en fous. Et l'avant, j'en avais pas besoin. Donc voilà. J'ai déjà commandé tout ce qui est feu avant, feu arrière, clignot et tout ça. Donc c'est ce que j'ai reçu là. Et ça, c'est la 010, c'est un autre châssis que je vais falloir que je refasse, que je veux faire avec un bras oscillant de R1 et une fourche avant. Bon, c'est un peu le bordel du coup avec toutes les phasers, surtout qu'il y en a une qui s'appelle 09 alors que j'ai une MT-09, c'est un peu compliqué à suivre. Donc l'idée, pour démonter celle-là, il va falloir que je la mette sur le truc en bois qui est là, et en enlevant celle-là qui pour le moment sert à rien. Du coup, je vais tout démonter les pièces, les mettre sur le côté, sur l'établi. Et après, je vais mettre le châssis qui est là, dessus, donc à la place de celui-là. Et je pourrais monter toutes les pièces dessus. Let's go.